s'installer dans l'hélicoptère. On est 5 touristes, un pilote. On a bu un peu trop de champagne, mais ça c'est pas grave. Je suis installé juste sur le côté, comme ça. Deux personnes en arrière de nous. On est bien installé. Ça va être une très belle expérience. Première fois pour moi que je vais prendre une hélicoptère. Et ça se passe à Vegas. C'est quand même cool. C'est quand même cool. À part Matt qui trouve qu'il fait chaud et qui se plaît. Ah, mais il fait chaud ce soir. Mais oui, mais c'est pas grave. Bon, ben, bon vol. Bon vol. Matt camoufle toute Émilie. Vegas vu des airs, c'est juste incroyable. Tu sais, déjà que vu d'en bas, c'est spectaculaire. Imaginez-vous d'avoir une vue d'oiseau sur toute la ville. Ben, c'est écœur. Sérieux, c'est tellement impressionnant de voir tout ça. On a le temps de regarder chacun des immenses hôtels. On voit la grande roue, on voit la tour de la stratosphère, on voit le vieux Vegas au loin. C'est vraiment hot. Et pour un baptême de l'air en hélicoptère, disons que c'en est tout un. Et regardez-moi ça, toutes les lumières. Les millions de lumières de la ville et des banlieues plus éloignées. Parce que sérieux, Vegas, c'est une grosse ville. C'est la plus grande ville de l'État du Nevada, avec un peu moins de 2 millions d'habitants. Ce qui est quand même spécial pour une agglomération qui est située en plein milieu du désert, le plus sec des 4 déserts nord-américains. C'est fou pareil hein, quand on voit ça. Et quand on pense qu'il y a moins de 200 ans, il n'y avait pratiquement rien ici. Parce que c'est les Mormons, en 1855, qui ont fondé la ville qui est devenue une bourgade agricole au début du 20e siècle. Avec le temps, ben c'est devenu ce que vous voyez autour de nous. C'est quand même impressionnant de voir comment une place peut se transformer si rapidement. Passer d'un bled perdu à une ville qui ne dort jamais. Je peux donc maintenant vous garantir que vu des airs, ça fait réaliser beaucoup de choses. Quand même pas pire hein, comme tour d'hélicoptère, mes amis. J'espère que vous avez trippé. J'espère que ça vous a mieux montré de quoi a l'air cette ville un peu folle de Vegas. Je vous invite à liker. Petit pouce vers le haut. On partage, on commente, on s'abonne, puis c'est ça. Salut, là!